Good evening, everybody. Salut, comment nous y? Son plaisir à soi pour moi capable là. Merci en pile. M'a dit merci, merci à comité nouveau contrat pour Haïti. Et me dit nous merci de ce que nous invitons pour me capable parler ensemble avec nous à soi là. Plus précisément, et Madame Nadia, Salimon qui fait partie du comité, hein? Pasteur Julienne. Pasteur Raymond Georges, Madame Nadia, et nous avons Schneider qui est là ensemble avec nous tous. Nous avons Wilton qui est là ensemble avec nous tous. Nous avons Seminot qui est là ensemble avec nous. Et nous tous qui sont là en général. Nous faisons partie de nouveaux contrats et nous remercions de cette présence là ce soir. Eh bien, Pasteur Raymond, merci. Et c'est une introduction qui est parfaite. Mais je dis toujours comme ça que, quelle que soit la hauteur de l'oiseau aquatique, il porte toujours la boue dans ses pas. Quelle que soit la hauteur que vous vivez, quel que soit le niveau que vous vivez, il ne faut pas oublier Pipiti, il ne faut pas oublier pour tout sortir. Eh bien, à ce moment-là, il y a quelques bagages à partager ensemble avec nous. Nouveau contrat, c'est une organisation politique. 2023, jeudi 7 janvier. Nous lançons un mouvement nouveau contrat. Nous ne pas faire pas. Nous ne pas réplier. Nous ne pas négocier. Nous continuons à avancer et nous continuons pour nous capables de forger une autre Haïti. Mais que parfois dans la vie, il y a quelques choses que vous demandez, bon Dieu, pour le faire pour vous. Moi-même, c'est tout le contraire. Tout ça, je demande, bon Dieu, de vivre. Moi, je demande, bon Dieu, force. Pour le moins force et bien les moins difficultés pour capable de faire moins fort. Moi, je demande encore courage, les moins problèmes pour capable de résoudre. Moi, continue à faire des demandes parce que c'est prier ou à prier. Moi, continue à faire des demandes. Moi, je demande mon Dieu courage, confiance. Libre moins, difficult people, pour me capable de dire. Tout ça que je demande à mon Dieu de vivre, je demande à mon Dieu encore, pour libre moins amour, affection, libre moins problème pour moi. Je vais continuer à voyager dans le voyage. Je demande à mon Dieu, je vais me côté pour me capable de reposer. Pour me capable d'étudier, pour me lever mon moyen, pour me capable vivre une vie à l'aise. Libre-moi Haïti. Libre-moi Haïti, et me capable de ça, chers amis, pour y aller exaucer. Parce que Haïti, son côté, moi, est en pile. Quel que ça va, le temps que moi, fait d'ailleurs, Haïti toujours dans le cœur. N'a pas forgé un pays, côté que nous tous, dans le moment ça, dans la diaspora, quand pas nous commencer dans la diaspora, nous allons finir en Haïti. Parce que le réseau qui fait ça, nous tous prisonniers. Nous tous déportés. Je me sens déporté. Je me sens pas vivre. Je me sens seul. Parce que je ne peux pas retourner dans le pays. Parce que parfois, il est difficile pour nous retourner dans le pays. Eh bien, dans la diaspora, nous allons essayer de garder comment que nous apprenons Haïti back. Non, mais ça, c'est bien. Ennemi liberté, yo, yo en pile. Moun qui pas vrai, freedom, yo, yo en pile. Et à soya, m'a demandé nous, collaboration, dans nos travail. Moi seul, moi pour contre. Mais avec nous-mêmes, cap campé des dômes, nous connaissons que m'a capable de faire combat. Ce n'est pas une décision qui est facile. C'est une décision qui est complètement difficile. Et la question qui posait, papa me posait une question, pas tellement longtemps de cela. Et il dit petit moi, qui est-ce qui fait rentrer dans la politique Haïti? Ce n'est pas plan. Parce que j'étudie de médecine. Ça va être un plan. Et il dit comme ça que petit moi, son seul bagage que je fais pour vous. On m'a dit qui ça. Il dit c'est un secret que je vais acheter de la roue. Parce que je suis un capitaine.
Vous voyez qui sa réponse moi? Je ne dis papa comme ça. Si ça t'arrive, la preuve pour yon faire un heart transplant pour un petit monde qui a besoin de cœur. La preuve qui n'aime, il n'y a pas de faire transplant pour un petit monde qui a besoin de kidney. Prends tout comme séparé par quel que soit le monde qui a besoin en Haïti. Et guess what? Reste qui rete yon, brille et puis la gueule dans le pays d'Haïti, et puis la pas fait pépinière. C'est dans la façon ça que moi mobilisé pour moi, rentrer en Haïti à changer le pays. Moi condamné pour mon travail. Mais sans nous, je ne suis pas capable de faire. Je remercie tout le monde qui l'a, Sébastien. Je besoin de nous tous. Je besoin des journalistes qui quittent le pays. Hein. Nous avons des talents qui ont gaspillé. Qui quitte le pays, hein, qui vient pas bon ici, qui besoin de tourner la caille. Mais qui ça n'a pas dit diaspora? À soi, comme son meet and greet, nous ne pouvons pas rentrer dans le plan des sociétés. Mais nous avons pile. Nous ne pouvons pas parler de moi facile. Parce que calbas plein, pas fait bruit. Les calbas à tomber, c'est rouler, rouler, le plein. Ça, c'est pas le monde qui sont dans des hommes. Les calbas plein, ils ne font pas fait bruit. Je ne suis pas populaire, je ne suis pas politique. Je ne suis pas pour moi, je ne suis pas pour moi, je ne pas pour moi. Mais, nous, il y a plus de travail qui fait. Nous avons un travail qui a fait qui est les grassroots, racines. Nous avons rencontré avec des compagnies, nous avons rencontré avec des leaders. Parce que nous croyons qu'avant de commencer le job là, pour commencer la transition. Je ne sais pas si vous avez des jobs là. Il y a l'élection, mais il va commencer la transition. Je dis comment vous allez changer le pays, vous ne connaissez pas. Vous promettez un peu de bagaille. Vous avez menti. Parce que c'est domaine politicien. Au cours de l'autre, vous rencontré des gens qui disent comme ça que, mais politique, il faut pas mentir. En plus, vous rencontrez des politiques, il faut pas mentir. Mon seul bagage me dit, comment on peut le faire, bail mentir à 10 millions de monde qui ont un travail et pour dire bail travail. On ne peut pas faire comme ça. Alors, avant que nous parlions de une série de projets, nous avons commencé déjà. Nous avons parlé. Nous avons parlé de ramasser Fatra. Nous avons parlé de travail. Parce que ça a eu important. Mais nous parlons de l'économie développement, la santé. Nous étions en Haïti pendant le tremblement de terre. Et nous coupons les pieds avec si, boïne, sans anesthésie. Là, nous allons à l'hôpital général, là, nous mettons un sérum dans le bras du monde, nous demandons à l'infirmière là pour un IV pour, nous mettons un grand clou à ton matouba. Ça, c'est la réalité du pays d'Haïti. Alors, en nous visant, en nous effectivement, c'est qui mon exactement qui a été Haïti dans le niveau ça. Nous sommes élèves, je ne vais pas apprendre. Politique, ça ne va pas me dire parce qu'on a un peu de diplôme, on a changé un pays. Même si on a un blues, on s'est retiré le blues là, on était de côté et puis commencer à rentrer dans le fondamental, fondamental petit pays, hein, fondamental problème pays d'Haïti. C'est la nuit. Alors, assoyez, on travaille de conseil avec nous. Sans nous-mêmes, on ne va pas nous écouter vraiment. Mais avec nous, il y a plus de travail que nous avons fait dans le pays d'Haïti. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse le pays d'Haïti, que le peuple a continué à gommer et nous va gagner notre pays d'Haïti. Merci beaucoup.